Non, moi j'ai vraiment grandi avec les publications de Lug. En fait, j'ai commencé à regarder le dessin animé de l'araignée à la télévision et j'ai essayé d'avoir les bouquins et les comics liés à ça. Et sur l'étrange, je voyais que c'était fait à Lyon. Et Lyon, c'était ma ville, c'était mes héros. Parce qu'en fait, on pouvait aller chercher ces vieux numéros de Strange directement aux 6 rues Émile Zola. Ça avait vraiment un sens. Ça a été la première fois que j'ai vu un grand album Lug chez mon frère. C'était un album de Conan dans sa bibliothèque. Et j'ai trouvé ça magnifique. En fait, j'avais 5 ans et c'était... voilà, je suis tombé amoureux ce jour-là. Lug, j'ai connu en fait via mon cousin qui est plus vieux que moi, qui me ramenait en fait toutes ces vieilles BD. Et là, il continue à me passer des Strange. Et là, ça a vraiment été le souvenir marquant. Et notamment avec la première cover de Spider-Man avec son costume noir, là où il a enfin son costume après les guerres secrètes. Le lien, il est très fort et très ancien entre Lyon et les comics. Lyon, c'est la ville originaire du comics. Ça a commencé avec Lug, qui était une société en fait qui importait des comics des États-Unis pour les diffuser en fait en France. C'est quelque chose que peu de gens savent, mais dans les années 40, il y avait déjà des rééditions de comics américains dans les journaux français. Et il a fallu attendre l'arrivée d'une jeune fille qui s'appelle Claude Vistel, qui travaillait avec son père aux éditions Lug, donc Lug du Dôme, à Lyon, pour voir débarquer un vrai catalogue comics en France. En fait, cette jeune fille avait craqué sur le nom des Quatre Fantastiques, les Fantastic Four, et avait dit à son père, il faut absolument qu'on rentre ça. Elle ne savait pas à l'époque ce que c'était, mais le titre lui plaisait. Et à partir de ce moment-là, les comics de super-héros en France ne se sont jamais arrêtés. Grâce à Lug, on a pu avoir des parutions régulières, des albums luxe, donc avec des couvertures qui étaient repeintes par des dessinateurs français, bon, souvent retouchées à cause de la censure, etc. Donc Lug a créé le premier catalogue suivi avec Fantasque, avec Marvel, et ensuite avec Strange. Strange qui est à... la revue la plus mythique à mes yeux, puisque c'est celle qui a permis au plus grand nombre de découvrir le comics en France, dans les années 70-80. C'est Mick qui est arrivé sur le marché du comics un peu tard, entre guillemets, après Lug, puisqu'ils ont racheté la maison d'édition Lug, et ils ont eu l'intelligence de rester dans les locaux et de poursuivre le travail établi. Donc de continuer les Strange avec la même numérotation, la même pagination, la même couverture. Donc au début, on avait un logo Semic qui ressemblait presque au logo Lug, et ça s'est arrêté là. C'est-à-dire que Semic est parti et on n'a plus de maison d'édition de comics à Lyon. Moi, je voulais un lieu où on puisse venir et trouver pratiquement tout ce qui est sorti aux États-Unis le jour de leur sortie dans la même boutique. Pas forcément un lieu très, très fermé, très élitiste, etc. Un lieu où on aurait un maximum de choix. C'est un truc que j'ai pas connu, moi. Donc forcément, ça me donnait envie. En fait, Kader s'est toujours, toujours activé pour essayer de diversifier le plus possible en fait, son public et sa clientèle, et ça permet aussi de se rencontrer, en fait, hein, c'est un lieu de rencontre, en fait. Il n'y a pas une clientèle type, et c'est pas des bêtises. On a vraiment des clients à partir de 3 ans, jusqu'à 90 balais. Il n'y a pas de cible. On a des hommes, des femmes, des enfants, on a une grosse communauté gay, on a des frères musulmans, donc du néophyte au plus grand spécialiste, voilà, aux nostalgiques. Tout le monde se reconnaît forcément dans une BD, à un moment donné. C'est plus les rencontres que j'ai pu faire par le comics, que l'outil lui-même, que le média lui-même. Des gens d'univers complètement différents qui font des choses des fois très inattendues. Les artistes qu'on peut côtoyer, soit en dédicace dans la boutique. C'est des gens qui sont hyper accessibles, hyper, hyper gentils, qui sont prêts à partager tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils peuvent faire. C'est pour ça que j'aime le comics, en fait. C'est pour les gens. C'est pour les gens qui le font.
Ce qui a changé, c'est la masse. Maintenant, avec les films, les personnages ont acquis une notoriété absolument incroyable. Donc ça permet d'avoir de plus en plus de gens qui lisent du comics. Et d'ailleurs, dans toutes les librairies en ce moment, on le voit, les librairies même de BD franco-belge normales, le rayon comics a été multiplié par pratiquement 4, en fait. La première fois que ça m'a marqué, c'est quand on a décidé d'ouvrir la boutique de comics, on a eu autour de nous des « Ah bon, mais tu crois que ça va marcher, mais il y a des gens qui lisent ça. » Et une semaine après, ces mêmes personnes qui me disaient « Putain, mais j'en ai parlé autour de moi, mais en fait, tous mes collègues lisent du comics. » Alors là-dedans, il y avait des profs, il y avait des médecins. Et tu te rends compte, en fait, que tout le monde en lit, déjà, de base, sauf que personne n'en parle. Du moins, personne n'en parlait. Aujourd'hui, il y a les films, il y a les séries télé, ce qui fait que les gens ont quelque chose à partager de facile. On a des films qui sortent d'après des comics, et on a les comics qui sortent d'après les films. On a les gens qui ont découvert en comics qui vont aller voir le film, et inversement, qui vont voir le film, qui vont venir lire ensuite. Alors c'est vrai que les films ont vraiment rendu les comic books très populaires. Ça a facilité la vie des lecteurs de comics, parce que maintenant on peut dire qu'on lit des comics et ne pas passer pour un gros nerd qui a pas de vie sociale. On a pu voir effectivement qu'il y avait plus de honte à aimer les comics. Et du coup, à ce niveau-là, les gens pouvaient dire « Ah ben, je vais regarder un film, mais en même temps, je vais lire les comics dans la foulée. » Maintenant, vraiment, il y a un total relâchement, en quelque sorte, des peurs et des angoisses de gens de dire « Je peux être fan de comics. » D'ailleurs, maintenant, ça se transmet de génération en génération. En fait, les films ont apporté un regard nouveau sur l'univers comics. À partir du moment où on a plus chercher à reproduire fidèlement le comics au cinéma, on s'est vu proposer des adaptations, des vraies adaptations. Donc un regard différent en prenant des persos qu'on connaissait, en modifiant un peu leur passif, un peu leur histoire. À partir de ce moment-là, l'intérêt a été vraiment dopé pour le grand public et pour les lecteurs de comics. Mais c'est par ça que les nouveaux lecteurs rentrent dans le comics. Puisque c'est simple. C'est des one-shots, c'est des histoires complètes. Il n'y a pas besoin d'avoir vu ou lu une encyclopédie avant pour pouvoir s'intéresser à l'histoire et se faire plaisir. On a eu le cas donc avec les Gardiens de la Galaxie, avec Deadpool. Et là, nous, on a senti la différence en boutique. Donc là, ça fonctionne. C'est un gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on envoie du monde au cinéma, le cinéma nous envoie du monde. Quand on a créé la boutique, on a découvert un événement qui fonctionnait aux États-Unis depuis quelques années, qui s'appelle le Free Comic Book Day. Et on trouvait ça complètement taré d'offrir autant de comics comme ça, gratuitement à ses clients. C'est des comics qu'on paye. Donc on découvre ça avec ma femme, et puis on se dit, bah, on va faire pareil. Donc sur la première année d'ouverture, on se plante de 5000 balles de comics pour les offrir. La boutique était pleine à craquer. Mais vraiment pleine à craquer, c'est-à-dire que les gens faisaient la queue 3-4 heures. C'est toujours une grande fête, hein. C'est toujours une grande fête chez Comic Zone. En fait, je pense même avoir jamais vu ça. J'ai fait des Free Comic Book Day à Paris, il y avait 2 heures de queue, grand maximum. Chez KDR, il y a 2 ans, il y avait 5 heures de queue, en fait. Donc on a le temps de parler avec les gens, hein. On a le temps de parler avec les gens qui font du cosplay, on a le temps de parler avec les gens qui dessinent. C'est une journée à pas manquer. Et c'est vraiment super sympa, il y a plein de monde, les gens se déguisent. C'est un peu le Noël du comics. Les gens sont contents, ils font la fête, ils repartent avec plein de cadeaux, avec plein de BD à découvrir. On a décidé de développer ça au niveau national et donc de contacter les éditeurs français pour leur demander de publier ce jour-là un contenu exclusif qui sera vendu peu cher aux libraires afin qu'ils puissent l'offrir à leur tour à leurs clients. Outre le fait d'avoir des comics gratuits pendant un fil d'attente, on rencontre plein de gens qui partagent la même passion que nous. On échange, on parle des histoires qui nous ont plu, des comics, diverses choses, nos avis sur les films. C'est vraiment un lieu d'échange. Vraiment, c'est un rendez-vous pour moi annuel, juste immanquable. Ça permet de découvrir plein de séries nouvelles ou anciennes. Et c'est un très très bon moment. Si vous venez, vous allez pouvoir avoir du comics. Si vous venez cosplayer en personnage de comics, vous allez en avoir un peu plus, mais c'est aussi une grande fête.
c'est le moment où justement on peut s'éclater, c'est-à-dire où tous les fans de comics peuvent se regrouper. C'est un peu notre jour à nous, c'est un peu notre 14 juillet à nous, c'est-à-dire que c'est une grande fête où on fait des animations, tout le monde se marre ensemble, papa, maman, les enfants, grand-père, grand-mère, et qui permet de partager ce moment de vie tous ensemble. Autour de quoi? Autour des super-héros et autour du comics. Ben ça, il y a même ne serait-ce 20 ans, 10 ans, ça n'existait pas, c'était inconcevable. Et ça, c'est juste génial. Héritiers de luxe, c'est un peu nous tous. C'est tous les gens qui ont un comics en France entre les mains aujourd'hui. Tout cela pourrait pas lire leurs comics s'il n'y avait pas eu Lug et sa politique de périodique. C'est vraiment la première fois où on avait à la fois des beaux albums et à la fois des séries à suivre.